On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 11e édition de la Tablée des chefs à laquelle participe l'école de cuisine de la polyvalente Chanoine Armand Racicot. C'est quand même assez important comme production, là. Vous le savez, la Tablée des chefs, c'est qu'on produit de la nourriture qu'on va donner aux personnes qui sont dans le besoin. Ici, on a une quarantaine d'élèves de première année de Racicot qui vont produire 4000 portions de pain de viande. Ils font ça la semaine prochaine, puis ils ont deux jours pour faire ça. On reçoit leur prof, leur enseignant dans quelques instants, Xavier Pilon-Fauché. Mais d'abord, on vous parle d'une carte nautique. C'est un outil intéressant que vient de lancer l'Office du tourisme et des congrès du Haut-Richelieu. Donc, c'est pour le bénéfice des plaisanciers. On sait qu'on en a beaucoup qui viennent de l'extérieur, qui ont des bateaux, soit à Saint-Jean ou à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Ça permet de découvrir toute la partie sud de la rivière Richelieu, de même que le lac Champlain. On reçoit à l'instant Laura Goulet. Le printemps et l'été est à nos portes. Ça paraît pas encore beaucoup parce qu'il y a encore un peu de neige et un peu de froid. Cependant, c'est aussi le temps de repenser au nautisme, principalement aux plaisanciers, ceux qui ont des embarcations, des bateaux. Et d'ailleurs, on vient de produire une nouvelle carte nautique qui est évidemment un outil hyper important quand on est un plaisancier. Avec nous pour en parler, Laura Goulet, qui est coordonnatrice développement de marché chez Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous. Ça faisait combien d'années qu'on n'avait pas de nouvelle carte? Parce qu'on présente ça comme une nouvelle carte. Mm-hmm. Donc, je présume qu'on utilisait un ancien modèle dans les dernières années. Oui, en fait, la dernière avait été produite en 2012. Donc, c'est sûr que c'est quand même assez récent, sauf qu'en deux ans, il y a le temps d'avoir quand même beaucoup de changements au niveau des intervenants nautiques. D'ailleurs, on a ajouté beaucoup de choses sur la nouvelle carte nautique cette année. Qu'est-ce que ça demande de bâtir une nouvelle carte? C'est-à-dire, je présume qu'on se base un peu sur ce qui a été fait avant. Puis après ça, on fait des mises à jour, mais il y a probablement des trucs qu'on enlève, des trucs qu'on ajoute. Il y a un aspect visuel à la chose. Je vais quand même la présenter, parce que c'est quand même un gros dépliant. Là. Oui. Puis je vais la présenter comme ça ici, là, pour qu'on ait un coup d'œil quand même assez élargi. Merci. C'est quand même une somme de travail assez importante. Oui, c'est sûr que la carte, elle était déjà là en grande partie. Nous, cette année, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir un meilleur positionnement au niveau des attraits sur ce côté-là. Donc, la dernière version, on n'avait que des numéros. Il fallait toujours référer à la liste de l'autre côté. Et là, cette fois-ci, on a fonctionné avec des icônes pour que rapidement les plaisanciers puissent repérer. Bon, en rouge, on a les restaurants. En bleu, on a les marinas, tout ça. Donc, c'est plus facile pour les plaisanciers de repérer rapidement les attraits et les services. Bon, si on y va par section, parce qu'en même temps, oui. On le dit, on parle de rivière Richelieu, sud et Lac-Champlain. Oui. Donc, quand on dit Richelieu-Sud, c'est qu'on part quoi? On part de Chambly et plus bas? Oui, on part à l'entrée du canal de Chambly, dans la ville de Chambly, et on descend Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Blaise, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Sabrevois de l'autre côté. On descend jusqu'au Lac-Champlain avec Venise en Québec. Avec Venise en Québec, oui. Mais qui est comme une entité un peu à part, je présume? Qui est dans la baie Missisquoi. Ouais. Oui. On peut y accéder, soit dit en passant, de la rivière Richelieu à la baie Missisquoi, mais il faut traverser de l'autre côté, du côté américain. Bon. Dans le fond, on dit sur la carte qu'on retrouve principalement donc les marinas. On dit qu'il y a une quinzaine de marinas, 1600 places à quai. Oui, dans la région. On parle de croisières, de pourvoiries, d'hébergement, de restaurants. Donc, dans le fond, le plaisancier qui transite, disons, entre Chambly et le lac Champlain, va être en mesure de savoir un peu ce qu'il y a à faire. Exactement. Il va être en mesure de savoir c'est quoi les événements qu'il y a dans la région, où il peut aller manger, où il peut aller dormir s'il ne désire pas dormir sur son bateau. Donc, tout est là. Tout ce qui est près des berges, évidemment, est représenté sur la carte. Bon. Je regarde d'ailleurs en un seul coup d'œil. Oui. Je prends l'exemple ici de celle que je vois où on indique, disons, centre de plein air urbain Ronald Beauregard. Mm-hmm. Le motel Montgolfière, Réal Béchard Sport, la ferme Reed, qui n'est pas très loin quand même du bord de l'eau. Mm-hmm, c'est ça. Probablement pour les gens qui arrêtent dans le bout de Sabrevois, je présume, ou un peu avant. Le musée, on a remercié. Ensuite, on a quoi? On a le centre d'art de Sabrevois, la Marina Saint-Tropez d'un côté, Marina Sabrevois de l'autre, Marina Le Refuge. Donc, on voit un peu tous les endroits où on peut arrêter. C'est ça, tous les endroits qui sont susceptibles aussi d'offrir des services aux plaisanciers. Bon, est-ce qu'on a là-dessus, parce qu'on parle de carte nautique, mais est-ce qu'on a également les profondeurs là-dessus?
Oui, c'est sûr qu'on peut se référer, on voit par la couleur qu'il y a dans la rivière, à savoir où est-ce que c'est le plus profond. Je crois ici qu'on a la petite légende des couleurs pour connaître la profondeur. Et au niveau des marinas également, vous avez, je peux prendre peut-être celle-là pour qu'on voit bien, du côté, je ne sais pas où la montrer, du côté des caractéristiques des marinas, vous avez aussi la profondeur des places à quai et tout ça. Donc, tout dépendant de la grosseur des bateaux, on a tout ce détail, vous êtes capable de vous diriger vers la bonne, vers le bon endroit. Parce que là, évidemment, je présentais le dépliant sous cette forme-là, oui. Mais quand on est dans le verso de celle-ci, mm-hmm. on a d'autres informations exact. Qu'on retrouve. Là, je vais présenter ça ici à la caméra. Donc, oui. quelles sont les autres informations qu'on retrouve? Donc, vous avez les différents lieux, comme là, par exemple, vous êtes sur l'ouverture qui correspond aux marinas. Vous avez leurs adresses, les numéros de téléphone, les sites Internet. Vous avez, bon, le nombre de places à quai, les différents services qui sont offerts par les marinas, bon, tout ça. Bon. Il y a aussi une liste, et ça, elle est quand même assez importante parce qu'on veut que les plaisanciers débarquent oui. et viennent dépenser leur argent dans la région. On a aussi donc une liste de restaurants. Là. C'est ça. Il y a les restaurants. Il y a différents attraits aussi, côté culture, patrimoine, les musées, etc. Il y a plein de choses à l'intérieur. Même les activités de plein air qui peuvent se passer sur les berges ou pas trop loin. Plein de choses à faire. Donc, c'est une carte qui, je présume, est accessible et disponible au bureau de l'office, oui. mais également dans toutes les marinas ou les points. Oui, dans les prochaines semaines, on va faire une petite tournée. Les cartes vont être présentes là tout l'été. Et puis, pour les gens qui voudraient se la procurer en ligne, vous pouvez également vous rendre au www.a20minutes.com. A20minutes.com, oui. Donc www.a20minutes.com. Exactement. Bon, si on reparle de la carte en tant oui. que telle, ça veut dire, dans le fond, que le plaisancier qui transite, ou même pour les locaux, là, pour les mm-hmm. gens qui connaissent la place, oui, là, oui. je me mets à la place du plaisancier qui est au milieu de la rivière, puis qui ne sait peut-être pas que, pas très loin d'ici, il y a une attraction, il y a quelque mm-hmm. chose d'intéressant. Là. Mm-hmm. Exactement, ça peut servir à ça, oui, tout à fait. Si on parle maintenant plus, je dirais, l'autre section oui. qui nous importe, je vais vous redonner oui. celle-ci, c'est la partie, disons, lac Champlain. Puis quand oui. je dis lac Champlain, c'est pas juste Bémiscisquoi. En fait, donc, vous allez plus bas que ça aussi. La carte va couvrir la Bémiscisquoi, toute la portion qui est au Canada. C'est sûr que nous, ici, bon, on n'a pas les attraits, etc., mais on couvre cette partie-là qui est la Bémiscisquoi. Mais on voit quand même là, la partie oui. américaine ici. Oui, là, on le voit quand même. Pour nous ça. Situer. Oui, là. On peut se situer. Bon, parce qu'évidemment, c'est le même public. Là, évidemment, cette carte-là est en français. Elle est bilingue, pardon, oui, je ne l'avais pas bilingue. Remarqué. Donc, elle est bilingue, donc oui. je présume également disponible pour les plaisanciers américains. Oui, exactement. Exactement. Prochainement aussi, on va envoyer les communiqués pour faire savoir que cette carte-là existe à nos voisins. Bon. De quelle façon on est en mesure de mesurer, disons, l'impact d'un outil comme celui-là auprès des plaisanciers? Est-ce que les marinas vous en parlent? Est-ce que les plaisanciers eux-mêmes vous en parlent? Oui, on nous en parle. On a des bons commentaires. C'est sûr que cette carte-là ne peut pas servir à la navigation. Ce n'est pas un outil de navigation. C'est bien important de le préciser. Par contre, on a de très bons commentaires parce qu'il y a une foule d'informations là-dessus. Oui, il y a les attraits, les restaurants, les hébergements et tout ça, mais on a aussi une section qui est sécurité nautique, qui est à l'endo. Donc, s'il arrive quelque chose, on est en mesure d'appeler la police, la garde côtière. On a même les coordonnées de l'escadrille nautique Fort Saint-Jean qui offre des cours. Et il y a d'autres écoles aussi, au niveau des écoles de plongée notamment. Il y a une foule d'informations sur cette carte-là. Puis c'est beaucoup ça que les gens nous disent comme commentaires, qu'ils sont satisfaits parce que c'est complet, ça, ils retrouvent tout ce qu'ils cherchent là-dessus. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là, au niveau des commentaires, qu'on voit l'impact. Oui. Parce qu'en même temps, bon, oui, il y a des plaisanciers qui viennent de la région mm-hmm. ici puis qui ont des bateaux soit au Nautique ou à Saint-Paul. Mm-hmm. Mais en même temps, on le sait, il y a beaucoup, beaucoup de Montréalais ou de Banlieusards, de la Rive-Nord et de la Rive-Sud, qui ont des bateaux à Saint-Paul-et-Loin mm-hmm. et qui n'ont peut-être pas la connaissance du milieu, une connaissance assez exhaustive mm-hmm. des attraits. Mm-hmm. Donc là aussi, il y a un élément découverte. Je ne sais pas s'il y a mm-hmm. un gros roulement dans les plaisanciers. Je ne sais pas à chaque année combien il y a de nouveaux plaisanciers là, qui viennent s'ajouter, mais bref, ce sont dans le fond des plaisanciers à qui on peut faire découvrir la mm-hmm. région. Là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça sert aussi à ça. Bon. Là, évidemment, il y a encore de la neige dehors. Là. Oui. Mais généralement, la saison nautique commence ça à peu près bien, vers, oui. vers la fin du mois de mai. Oui. Donc là, vous allez être un peu en offensive pour la présenter. Oui, c'est ça. Mais récemment, on est allé au Salon du bateau de Montréal, oui, du 6 au 9 février. On a distribué là-bas un petit peu plus que 900 cartes. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas la région à qui on en a parlé, puis qui sont partis avec notre carte, puis
On espère les voir cet été parmi nous. Bon, est-ce qu'on s'inspire également de d'autres cartes qui existent un peu partout pour bâtir l'outil? Oui, c'est sûr. C'est sûr que nous, on en avait une qui était déjà très complète. On a ajouté des choses, mais oui, c'est sûr qu'on s'inspire. On regarde qu'est-ce qui se fait ailleurs pour justement pouvoir offrir le meilleur produit possible aux touristes et aux plaisanciers. Oui. Bon, on appelle ça, on dit, la station nautique oui. Rivière-Richelieu-Sud, Lac-Champlain, qui a été créée en 2008. Donc, qu'est-ce que c'est la station nautique? Une station nautique, premièrement, c'est la destination nautique. C'est ce qu'on essaie de promouvoir. Mais aussi, c'est aussi un regroupement de divers intervenants dans le milieu du nautisme et dans le milieu du tourisme qui se mettent ensemble pour justement soutenir le développement du nautisme dans la région et aussi promouvoir la région pour inviter les gens à se rendre chez nous. Bon, bien, on va vous inviter, évidemment, à vous rendre dans les régions, à vous acheter un bateau. Oui. Hein, ça coûte quand même quelques sous. C'est pas tout le monde qui a les moyens, mais quand même, si on est une région qui... On dit souvent que Saint-Paul est la capitale du nautisme, donc... Oui, d'ailleurs, prochainement, du 25 au 27 avril, à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, ça va être l'exposition de la capitale nautique. Donc, on vous invite à venir voir les bateaux. Donc, fin avril à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Bien, Laura Goulet, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On invite donc les gens à se procurer la carte, soit via les bureaux de l'Office ou encore via le site Internet à20minutes.com. Et bien sûr, je présume, dans les différentes marinas de la région. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la tablée des chefs. Parlons maintenant de la 11e édition de la tablée des chefs à laquelle participent les élèves de l'école polyvalente Chanoine Armand Racicot. Avec nous pour en parler, le chef cuisinier et enseignant à la polyvalente Xavier Pilon-Fauché. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait donc plusieurs années que les étudiants de Racicot participent à la tablée des chefs. En fait, c'est les enseignants qui ont décidé de pouvoir participer à cet événement-là afin justement de pouvoir inculquer un peu aux élèves la dévotion de faire autre chose que juste de la cuisine, mais vraiment de partager le fait de, et de montrer aux gens que... Il y a comme une action humanitaire qui est reliée à ça, dans le fond. Il y a comme un don de soi là-dedans. Exact. Là, parce qu'il y a une bonne action là, de relier à ça. Exact. C'est vraiment à travers les écoles. Il y a 15 écoles hôtelières environ qui participent à ça. Il y a environ 800 élèves impliqués, monopolisés durant cette semaine-là pour environ 4000 repas juste à l'école où nous sommes pour pouvoir ensuite les redistribuer aux gens démunis qui en ont besoin. Donc, parce que dans le fond, le principe de la tablée des chefs, c'est ça, dans le fond, c'est-à-dire que on dit il y a 15 écoles hôtelières, donc 800 élèves au total. Ça, c'est pour le Québec, c'est ça? Environ, oui. Environ. Et pendant ce qu'on appelle, ce que vous appelez, vous autres, la semaine hôtelière, là, qui est du 10 au 12 mars, et là, ça, c'est la 11e édition de la tablée des chefs, vous produisez de la nourriture pour des gens qui sont dans le besoin. Exactement. Ici, à la polyvalente Armand Racicot, il y a combien d'élèves au niveau de la cuisine? On a environ... trois classes, environ 20 élèves. Quatre classes, excusez. Okay. Qui sont au début de l'année débutants dans la formation, qui durent environ un an et demi, un an et 7 mois plus précisément. Puis il y a deux classes où les finissants finissent leur année dans les 7 mois. Et ceux qui participent à la tablée, est-ce que c'est tout le monde ou juste les premiers? C'est les premières années. C'est les premières années. Donc c'est quoi? C'est à peu près l'équivalent de une quarantaine d'élèves à peu près? Oui, environ. Donc on a 40 élèves qui vont produire 4000 repas? Oui, exactement. Puis ça se fait environ en 2 jours. Wow! En deux jours? Oui, en tout. Ils produisent quoi? En fait, cette année, c'est un pain de viande, en fait, avec des légumes, sauce tomate, qui est fait dans des plats d'aluminium. Aussi simple que ça, mais en fait, ça remplit plusieurs bouches. L'année passée, c'était des boulettes de viande, sauce marinara de ce style-là qui étaient faites. Donc, on ne vise pas nécessairement la grosse qualité, mais surtout un bon goût qui rassasie quelqu'un. Et c'est un défi de production, parce que je présume que pour vos élèves,
qui, du jour au lendemain, je ne sais pas, moi, se ramasse chez un traiteur qui doit produire, je ne sais pas, mais t'as un souper pour 800 personnes. Bien, tu sais que tu as déjà travaillé sur un projet où tu faisais de la production, là, avec de la quantité. Là. Oui, ça les aide, en fait, à s'organiser, à travailler en équipe, de se donner un but. Parce que vu que, en fait, durant ces deux jours-là, il y a autant les élèves de jour que les élèves de soir. Donc, de 8 h le matin à la fermeture des cours, là, je vous dirais à 9 h le soir, les élèves, ils font que ça pendant deux jours de temps. Donc, c'est quoi la séquence des événements? C'est-à-dire que là, on sait qu'on a une quarantaine d'élèves qui doivent produire 4000 portions de pain de viande. Exact. Première étape, bon, je présume, il faut se procurer les aliments, la nourriture. Oui. Ça, c'est cette semaine, en fait. Les personnes ressources à l'école, eux, sont tout en train de recevoir la nourriture, la viande, les légumes et tout. Puis, c'est quoi les quantités? Ça prend combien de viande pour faire… Oh my God! C'est quoi les quantités? C'est énorme! C'est énorme, surtout si on pense qu'il y a 15 écoles qui participent à cet événement-là, parce que tout le monde, en fait, reçoit la même recette. Et puis, tout le monde recrée la même recette. Donc, les mêmes proportions sont faites pour chaque établissement. OK. Donc, vous arrivez, dans le fond, avec une recette. Oui. Puis après ça, vous devez l'appliquer, là. Oui. Et là, qui fait quoi, dans le fond? Parce que là, j'imagine que chacun a son rôle là-dedans. Là. Je veux dire, qui fait quoi dans l'élaboration du plan? Bon, en fait, les enseignants, nous, on reçoit les recettes par l'organisme, en fait. Okay. Nous, après, on établit des listes de plans de travail. Ensuite, bon, la journée même, on va attitrer aux élèves, on va leur présenter. Ben, en fait, le projet est déjà présenté avant même qu'ils soient partis à leur semaine de relâche. Donc, à l'arrivée, ils savent déjà à quoi s'attendre. Ensuite, on définit c'est quoi les équipes. Puis après, on met la main à la pâte, puis c'est parti. C'est aussi simple que ça. Et ça marche comment? Moi, je ne suis pas très bon en cuisine, mais ça veut dire quoi? Il y en a un qui s'occupe, lui, de mettre la viande dans le plat, l'autre s'occupe des légumes, l'autre y coupe. Je ne sais pas c'est quoi la ouais. Étant donné que la répartition des tâches. Là, ouais. En fait, c'est la façon que c'est fait, c'est par étapes toujours, dépendamment de la recette qu'on va recevoir. Comme là, vu que c'est un pain de viande, donc il y en a qui vont être en équipe pour pouvoir concevoir la viande, assaisonner, suivre la recette vraiment à la lettre. Il y en a d'autres qui vont s'occuper de la sauce. D'autres qui vont s'occuper des légumes. Puis une fois que tout est préparé, on se met en ligne, on place les barquettes, puis à la chaîne et tout, une fois que tout est cuit, prêt à être empaqueté. Puis là, après ça, une fois que c'est terminé, parce que dans le fond, vous préparez des portions qui, ultimement, vont être réchauffées. Oui. Donc là, il y a un défi de réfrigération aussi, je présume, une fois que vous avez terminé ça. Oui, nous, en fait, on a une cellule de refroidissement à l'école qui fait en sorte que du moment que c'est cuit, c'est refroidi le plus vite possible pour limiter. C'est congelé ou juste réfrigéré? Au début, c'est réfrigéré parce qu'on ne faut jamais mettre aucun produit cuit chaud dans un frigidaire parce que ça augmente la chaleur du frigidaire, ça peut commencer à développer les bactéries. Ah, ouais. Donc, nous, on a une cellule de refroidissement où on fait tout refroidir le plus rapidement possible. Ensuite, on congèle. Ensuite, on met dans les boîtes. Puis ensuite, c'est les gens attitrés reviennent rechercher les boîtes. Puis ensuite, c'est distribué. Bon, comme c'est des élèves de première année, ils n'ont jamais fait ça avant? Non. Donc, c'est quand même... C'est un pas pire défi, j'imagine, parce qu'on les prépare comment vers ça? Ben en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les dernières semaines qui peut s'approcher de ce qu'ils vont faire la semaine prochaine, dans à peu près là, dans quelques jours? Ben en fait, le cours de formation professionnelle que nous, on donne à Armand Rasco, c'est il y a plusieurs groupes d'âge. Ça varie environ de 17 ans à même 55 ans. Ah ouais. Il y a des gens qui veulent se recycler, il y a des gens qui ont envie d'apprendre la formation, il y en a que pour les plus jeunes, mettons ceux qui ont 17 ans, ils ont toujours été passionnés, puis ils ont le feu sacré à l'intérieur, si on veut. Même si c'est débutant, des premières années qui commencent, souvent il y en a qui ont déjà été goûtés à la restauration, donc quand ils arrivent, c'est de les remettre dans le bain ou de les structurer surtout. Parce qu'au début de l'année, peu importe où l'élève est rendu, nous, on donne une formation de base. Donc, il y a l'hygiène, il y a santé et sécurité, il y a l'équipement, toutes les préparations fondamentales de base, les fonds, ainsi et ça, on les amène vers ça. Il y a l'uniforme, les couteaux qui sont achetés et tout et tout. Puis ensuite, bien, on les amène vers ça. Donc,
quand ça tombe dans la semaine, les élèves ont déjà goûté à la cuisine et ont été en pratique, parce qu'il y a la théorie et la pratique. Puis rendus là, ben, sont rendus prêts à faire une autre étape. Parce que dans le fond, la restauration, tu n'es jamais vraiment prêt à ce qui peut t'arriver. En fait, c'est de toujours, quand ça t'arrive, c'est juste de mettre la main à la pâte. Puis si tu es passionné, ça se fait tout seul. Dans une production comme celle-là, là, c'est quoi la pire affaire qui peut arriver? Est-ce qu'il peut y avoir une bad luck à un moment donné ou quelque chose qu'on a oublié? Je ne sais pas. C'est quoi la pire affaire qui peut arriver? La pire, c'est exemple, le pain de viande n'est pas assez cuit, comme pour cette année. Ça peut être dangereux. Mais sinon, tout peut arriver hein, en cuisine. Les accidents, il peut y avoir des bris de matériel ou, exemple, une échelle avec les pains de viande pourrait carrément... tomber par terre, puis on pourrait perdre ce qu'on a fait. Mais encore là, avec les élèves qui sont préparés, santé, sécurité, hygiène et tout. C'est pour ça que la préparation est déjà là, parce que vous avez quand même suffisamment d'espace pour que vos élèves puissent manœuvrer dans la cuisine de façon correcte. Donc, vous avez. On est quand même très bien situé. De toute façon, comme dans tout, on n'aura jamais assez la meilleure cuisine qu'il faut dans un restaurant. Donc, avec ce qu'on a, on s'adapte bien pour pouvoir le faire. Il faut que le chef s'habitue à la avec cuisine. Avec l'endroit restreint avec et tout. Avec ce qui est pris avec, là. Exact. Sauf qu'avec les élèves, ayant eu leur formation depuis le début de l'année, sont prêts à pouvoir effectuer ce projet-là. Et ça, dans le fond, est-ce que vous en profitez pour noter les élèves là-dessus? Bien, sur ce qu'ils font? En fait, tous les élèves sont toujours évalués à travers tout ce qu'on peut faire. Ce qui veut dire le leadership, le positivisme et tout, nous, on va tout le temps regarder ça en bout de ligne. Puis en même temps, c'est ce qui fait en sorte qu'un élève va se démarquer d'un autre. Mais nous, les enseignants, nous, on participe, on supervise, puis on fait en sorte que tout se passe bien en même temps. Bon, toi, tu dis que ça fait 3 ans que tu enseignes à la polyvalente. Oui, c'est ma 3e année. Puis auparavant, tu étais chef cuisinier. Ou tu l'es encore ou tu le fais? En fait, cette année, c'était l'année où, en fait, je prenais ma décision. Parce que j'ai toujours, depuis 3 ans, travaillé en restauration. Bien, depuis 17 ans, je suis en restauration. Mais depuis 3 ans, j'enseigne à temps partiel. Puis là, c'est récent, j'ai pris la décision d'aller vers l'enseignement parce qu'on m'a offert un poste à temps plein. Sinon, j'étais chef, j'étais sous-chef. Mon dernier poste, c'était sous-chef au restaurant Samuel. Là, il y a de ça 3 semaines encore. Et est-ce que tu avais fait tes cours à RASCO il y a 15-20 ans? Oui, j'avais fait ma formation là-bas. J'ai eu la chance de l'année passée, en fait, il y a Victor Téton qui était mon chef enseignant à l'époque, qui a pris sa retraite. C'est vrai. Mais j'ai eu la chance de pouvoir enseigner à ses côtés. Puis surtout, cette personne-là elle m'a en fait inculqué la passion de la cuisine. Parce que oui, on peut faire des recettes et tout, sauf que quand on a quelqu'un qui t'inculque une passion, de la façon qu'il va t'en parler, c'est ça qui fait la différence en bout de ligne, si tu restes là-dedans. C'est quoi la différence entre être un chef et être un chef enseignant? Quand on franchit la frontière, là? La pédagogie, les deux ont une certaine pédagogie. Par contre, étant enseignant, il ne faut pas oublier que les élèves qui s'inscrivent à cette formation-là, des fois, n'ont aucune idée des fois dans quoi ils peuvent s'embarquer ou aucune formation. Donc, on doit être assez indulgent. Il y a la patience qui est de mise. En tant que chef, la patience est là. Sauf que, je vous dirais, en plein service, des fois, la tension monte. Peu importe où on est dans le milieu de la restauration, c'est le fameux petit stress, le feu qui prend place. De l'adrénaline, c'est exactement. Ça, dans une cuisine. Ouais. Mais en fait, c'est ce qui garde en vie en même temps. En tant que cuisinier, chef cuisinier, c'est cette adrénaline-là qui fait en sorte qu'on revient le lendemain. Parce que, je veux pas, c'est fou, on a chaud, tout le monde arrive en même temps, on pense que tout le monde s'est appelé pour venir manger au restaurant. Puis en bout de ligne, c'est ce qu'on aime en fait. Ça dure combien de temps la formation? C'est en 1 an et 7 mois, c'est environ 1470 heures. Ça inclut 2 stages, un stage de production, un stage en milieu de restauration, pour qu'ensuite les élèves puissent ensuite aborder le marché du travail.
Et là, évidemment, ils ont ce défi-là que vous allez faire quoi? C'est la semaine prochaine, c'est ça? En revenant de la semaine de relâche, à partir du 10 mars. Ouais. Donc, les élèves de cuisine de Armaresco, donc, qui vont participer à la 11e édition de la Tablée des chefs. Donc, une quarantaine d'étudiants qui vont devoir produire 4 000 portions de pain de viande. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne chance. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le Centre d'action bénévole d'Iberville va tenir son Assemblée générale annuelle le mercredi 26 mars. C'est à 19h au 290 de l'avenue des Conseillers dans le secteur Iberville. On vous rappelle qu'à chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean sur Richelieu. Ça résume les travaux du Conseil de ville. On en fait la captation le premier et le troisième lundi de chaque mois. Et avec un conseil, on vous présente deux émissions, les deux mercredis suivants. Vous avez la grille horaire. Si vous la manquez, elle se retrouve sur notre site Internet. Télébingo, 3 500 $ en prix chaque semaine, dont 2 000 $ uniquement pour la carte pleine. C'est le dimanche, 9h30 en direct. On le répète, câble 9. Il y a une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets sur les deux territoires des MRC, au Richelieu et de Rouville. Télévision du Richelieu, vous avez donc la façon pour nous joindre par courriel Éric Latour en un mot à commercial.tvrcherneuf.com. Visitez notre site Internet, suivez-nous également sur Facebook et Twitter. Et l'émission que vous regardez en ce moment est diffusée tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit. Et on rappelle le dimanche, on rediffuse les 5 émissions, les 10 entrevues de façon consécutive entre 16 et 18h30. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.